Yo la frago, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes là depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous allons inviter à écouter porte-parole PNH, commissaire Michel-Ange Louis Jeune qui baille confirmation chaque agent policier pour recevoir 10 000 gouttes sous 4 débits. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes encore voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros merci avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez ou intéressez, pas oublier d'abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous ne perdons pas de temps, nous déroulons avec l'information. En nous, à partir du 16 mars 2020, agent police nationale va recevoir 10 000 gouttes sous 4 débits. Porte-parole PNH, commissaire Michel-Ange Louis Jeune, qui confirme l'information ça, rappelez, décision ça a pris, c'est Youn Namezi, président Conseil supérieur police nationale là, n'a pas les CSPN. Premier ministre Joseph Joute a annoncé la prend pour commencer répondre à revendications policières ici dans Haïti. Eh bien, c'est information ça nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a commencé coulier. Direction générale de la police, son bâtiment qui doit un côté stratégique et qui répond à ensemble de critères qui peut permettre ensemble de services et qui logent dans la direction ça capable et faire travail. Et nous sommes capables de remarquer et Pétionville, genre situation antérieure, direction générale la loge et presque dans le marché. Et côté même parking était extrêmement difficile. Donc depuis un an, il était inscrit dans le projet et commandement pour être déplacé et venir dans le bâtiment ça, qui était réservé. Étant donné qu'il y a un ensemble d'aménagements qui étaient pour faire pour accueillir plusieurs directions centrales et plusieurs autres services spécialisés et certaines unités spécialisées et bureau directeur général là, bureau service communication, donc en pile service qui a gagné pour venir loger dans le bâtiment ça, donc un ensemble d'aménagements qui était pour faire. Malheureusement, ça a été quimbé dans le bâtiment roi pour un an encore, mais voilà, depuis le week-end dernier, possibilité a été présentée et que désormais, direction générale de la police là, li loger dans la base côté nous là, ancien base qui était le log base et qui était abrité et messieurs dames Nations Unies et maintenant qui passait dans le patrimoine et l'état haïtien, et voilà ce qui a été fait et l'opinion publique là les informé. Deuxième point, c'est que il y a un pile rumeur et qui a circulé sur question carte de débit qui était doué attribué à policiers. Et nous avons dans le bureau commandement, et nous avons déjà promettre, et suite à un CSPN, et chef CSPN en personne, nous avons promettre que nous avons une augmentation de 5 000 gouttes et sous 4 de débit, tout policier. Yo, et ce qui est fait, et que maintenant, chaque ça est actuellement dans BNC, et que le temps que nous clignons, et par, nous avons dit, d'ici samedi, et au plus tard, et lundi si Dieu veut, tout policier est capable de passer et récupérer et corps qui sont cadre de débit, à savoir les passer de 5 000 gouttes à 10 000 gouttes. Et donc il faut que nous soyons très clairs sur ça. L'autre point que nous avons souhaité aborder tout, c'est question chaque policier autour, parce que quand pile policier qui t'a parlé que chaque est beaucoup prêt, et bien depuis hier, et tout chaque policier est prêt. Et dans le service comptabilité de la police là, et que différentes unités départementales, différentes structures centrales, ils ont été passés récupérer chèque pour tout policier, quel que soit département que lié, quel que soit juridiction et que lié, pour être capable de recevoir chèque. Et je crois que chèque ça, ils ont commencé à rejoindre les policiers. Il y a un autre point qui défraye chronique, vous en souvenez, qui fait actualité, c'est ça, le coronavirus là. Et policiers, puisque c'est des mondes qui gagnent un rapport de proximité et avec la population, donc ils sont même tous concernés et par mesures préventives et que coronavirus là, alors que l'autorité prend et pour coronavirus là. Tant qu'on est dans le pire au niveau de l'État,
gagne des dispositions et qui te prend en matière de prévention, eh bien, gagne des rencontres qui fait avec direction centrale, alors avec direction médicale et la police là, avec direction centrale administration, direction financière la police là, et direction logistique la police là, et sous peu, a gagné une note qui sortit, qui a rejoindre tout policier yo, sur les mesures administratives à adopter, alors sur les mesures préventives, pardon, à adopter, et pour question coronavirus virus là, et aussi des moyens logistiques qui ont accompagné notre ça, pas vrai, et qui ont dans le local tout commissariat yo, que les policiers sont capables de bénéficier, sont capables d'utiliser en matière de prévention. Voilà. Équipe Tivika et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.